Ma Mission TV, le miroir du monde. Je dis sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vraiment un outrage à l'Assemblée, s'il vous plaît. Je suis désolé. Vous pouvez partir. Pourquoi la question orale a un débat contre le l'ancien gouvernement de Passepartout? Non, mais non, c'est mon point de vue. S'il vous plaît, ne criez pas. Quand vous débattons ici, attendez, président, laissez-moi, président. Oui, oui, ça vaut la peine, mon travail est pour. C'est un travail, même moi-même, je me fais assister des Il a été considéré que la rétention de cette information aussi importante par vous constitue l'outrage au Parlement, honorable président. C'est ici, moi. Et je l'ai dit, s'il vous plaît, je n'ai pas y passer ici parce que je vais, s'il vous plaît, je n'entre pas en contradiction avec vous. Vous en avez l'habitude, je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Et je ne vous regarde même pas, je regarde. Je vais y passer. Je vais y passer. Moi, je vais y passer. Non, pour vous, je vais y passer. Vous devez protéger votre famille là. Vous devez protéger. Voilà, merci beaucoup pour ma famille. Le document est là. Vous aurez la parole, collègue. Le document est là. Je ça. À chacun son tour, honorable, cher collègue, laissez-moi finir. Vous avez la parole, collègue. Soyez patient. Nous sommes là pour ça. On vous regarde. Voilà. D'accord, mais je suis curieuse. Ah, ok. Bon, tu veux regarder le collègue Mike? C'est pas mon frère, président. Ça, c'est le boulot. On est hop ici, au moins, la mission romande. On a des bonnes relations. Ça, c'est le travail. En lobby, déjà l'augmenté, mais basta la réforme. Le capé audit, il y a contrôle, il y a la Niger, il y a la brigade, la Misso, et il y a pour contrôler. C'est pourquoi il ne faut jamais jeter de la salive en l'air. Ça finira par vous retomber sur le visage. Il y a des gens qui changent les règlements au gré de leurs intérêts. Moi j'attends la conclusion, parce que souvent on dit non, vous protéger l'exécutif. Et vous y allez. Alors la bouille. On peut surseoir les recommandations de l'honorable Mike pour permettre, au DG de FOMA de revenir encore. Pas demain. Si la plénière n'est pas d'accord avec mes résolutions, tant mieux. J'ai présenté les miennes. Même moi, il reste très avant. 1, 2, 3, 4. Qui sont pour le RG? C'est clair. Les recommandations sont rejetées. Et que l'interpellateur a déjà ses conclusions. À quoi sert donc la réponse de la personne qui vient répondre ici? Ma Mission TV, le miroir du monde. À ces derniers temps honorables, le Kébaï Fosso Michel. 2. Le vote du projet de loi portant approbation du protocole d'accord des collaborations entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. 3. La présentation des initiatives parlementaires, en l'occurrence la proposition dédiée portant à protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa, et la proposition des 10 portant modalités applicables aux funérailles dans la ville de Kinshasa. Honorable député, chers collègues, je porte à votre connaissance qu'en date du
du 3 juin 2021, le bureau a été saisi d'une motion de défiance contre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, laquelle motion est signée dûment par les 7 députés provinciaux. Par sa correspondance du 4 juin 2021, le bureau a transmis à ces derniers la dite motion en vue de se présenter devant la plénière 48 heures après, conformément à l'article 212, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Madame députée, chers collègues, qui sont contre? Abstention. Les points relatifs à la motion de défiance contre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières est retenu et inséré parmi ceux prévus à l'ordre du jour de la présente réunion. Honorables députés, chers collègues, pour des raisons d'ordre pratique, ces points seront débattus suivant l'ordre ci-après. 1. La réplique de Monsieur le directeur général du FONAR aux préoccupations des honorables députés à la suite de la question orale avec Emma, adressée à ces derniers par l'honorable Moukeba Ikosso-Michel. 2. La motion de défiance contre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. 3. Les votes de l'édit portant approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. 4. La présentation des initiatives législatives, en l'occurrence la proposition des lignes portables. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, c'est une motion d'information que je voudrais informer à l'audience assemblée en ce qui concerne ma commune. Honorable Président, ces derniers... Mes collègues tout à l'heure, dans la commune de Lima, où je suis élu, Monsieur le Président, nous connaissons les mêmes problèmes. Juste en face de Kamoutou, on a élevé une station. Je me suis battu dès les débuts de ce projet. J'avais même obtenu la suspension des travaux de la part du bourgmestre. Mais, à ma très grande surprise, Monsieur le Président, j'ai vu les travaux continuer sur recommandation du ministre de l'Intérieur, du ministre provincial de l'Intérieur, qui a tout simplement fait injonction au bourgmestre de laisser ce travail se faire. Donc, dans quelles conditions qui est attendu ici aujourd'hui? Celui qui est visé par la motion de défiance. Je pense qu'il faut les remettre. Merci. Monsieur le Président, cela est beaucoup plus dramatique parce que c'est à 4 mètres de la parcelle. Des parcelles des gens et ceux qui sont derrière ces stations, puisqu'ils ont érigé un mur, ils ne savent pas faire ni entrer les véhicules ni les sortir. Alors, je me demande finalement pourquoi on est autorisé dans ce pays. Est-ce tout simplement pour ses intérêts personnels ou pour... Il faut tenir compte de l'environnement. Et ils ont construit cette station sur des câbles électriques, sur les tuyaux de la régie des eaux. J'ai même écrit officiellement, j'ai une lettre que j'avais adressée au gouverneur, copie pour information aux différents ministres du secteur. Et ce sont ces ministres-là, Monsieur le Président, qui encourage cette pratique. Ça publie de partout, nous ne sommes pas contre les stations, mais qu'on trouve des emplois appropriés qui tiennent compte de l'environnement, aussi des conditions de vie de nos populations. Je voulais donc ajouter ma voix à celle du collègue pour demander non seulement une commission d'enquête pour la commune de Kinshasa, mais qu'on étende sur l'ensemble de la ville, province, et que tous les collègues qui constatent les mêmes faits dans leur commune, que nous puissions quand même nous en occuper puisque trop c'est trop. Merci. Merci. De vendre ces carburants auprès des opérateurs affiliés à CEP, donc Indien et les autres, ils disent non, nous nous sommes déjà affiliés à CEP. Le carburant de CEP vient par pipeline, demande à justice. Alors lui ne sait pas
avoir des débouchés pour vendre son pétrole. Et c'est comme ça qu'il a mis en place un plan pour construire 52 stations dans la ville de Kinshasa. Je n'aimerais pas les citer ici, des craintes que demain ils disent qu'il a été mis en cause injustement. Et c'est comme ça, en fait, que cet opérateur, je ne sais pas si il a trouvé un compromis avec la ville, cet opérateur est en train de multiplier des stations dans la ville de Kinshasa, mais sous des différentes identités pour que ça ne paraisse pas comme ce sont ces stations à lui dans l'ensemble. Donc c'est un phénomène global qui menace toute la ville de Kinshasa. Vous verrez que les stations sont maintenant érigées à la place des résidences. Donc on achète une résidence et la transforme en station. C'est très grave. Donc si nous pouvons prendre ça à bras le corps et ce serait vraiment mettre un terme à un danger qui guette la ville de Kinshasa. Merci. Au regard de la sensibilité de cette question, il y a à peu près 2 semaines, personnellement, contrairement à ce que les gens racontent qu'on avait donné le marché à un Libanais, moi personnellement j'ai reçu le Français qui a gagné le marché. Il y a de cela 2 semaines. Mais même si ce n'est pas dans nos attributions, nous avons des conseils à donner au gouvernement. Nous avons estimé que les Français ne peuvent pas venir ici tout faire au niveau de la ville de Kinshasa. Pendant qu'il y a une main-d'œuvre dynamique qu'on utilise, nous avons rappelé à ces Français qu'il existe la sous-traitance en République démocratique. Nous avons demandé à l'hôtel de ville, bien sûr verbalement, qu'il voie comment associer d'autres sociétés de Kinshasa à la construction de ces marchés. Mais, et si ces éléments-là ne sont pas clairs, moi je crois que les ministres de l'Intérieur, que ce soit celui ou bien celui qui viendra, ne pourra pas revenir. Non, je suis dans les suppositions. Donc, mes collègues, ne faut pas me corrompre. Malgré ta pétition contre moi, j'attends ma ligne. Je connais ce que tu as touché à la commission. Voilà. Donc, je me disais que c'est ça les informations liminaires que je peux vous donner. Au moins, la vie des non-objections de la DGCMP, ça existe. Les Français qui ont gagné le marché, je les ai récits moi-même. Mais tout ce que nous avons demandé, c'est qu'il faut quand même que les Kinois et Kinois trouvent aussi du travail dans le cadre de ces chantiers liés à la construction du marché. Et nous avons demandé à ces Français de se souvenir qu'il y a un contrat de sous-traitance, et il y a une loi sur la sous-traitance à l'RDC, qui voit dans quelle mesure associer les Congolais. Mais ce que je peux faire, comme maintenant il s'agit d'une demande formelle, okay, si la plénière m'autorise, dès demain je peux demander qu'on nous envoie ces contrats, et on peut les distribuer à tous. Je ne sais pas si j'ai rencontré dans votre conversation collègue. Des confidentialités, et je ne pense pas que dans un contrat public qu'il y ait cette clause-là. Donc, les clients sont préoccupés par la situation du marché central. Nous avons soutenu l'idée d'y ériger un marché moderne et nous voulons que cela puisse se faire dans la transparence. C'est dans l'intérêt de nous tous. Mettre les éléments à la disposition des députés et des publics n'inférait que crédibiliser ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme je l'ai toujours dit, Monsieur le Président, tout ce que l'on cache attire la curiosité. Tout ce qui est mis sur la place publique, les gens voient et passent. Et quand on demande et qu'on ne voit pas, ça suscite la curiosité, la tension, la suspicion. Donc, il serait bon, je souhaite et je conseille évidemment au bureau de DG de tout son droit pour que ces contrats soient distribués aux députés et, si possible, mis à la disposition du public. Merci. La question orale, avec débat, m'a été adressée par le bar de Dubaï au surplus Michel Maï. Aussi, je me dois pour cette circonstance, au niveau de cette tribune,
exprimer du fond du cœur ma reconnaissance à l'endroit des élus de Kinshasa que vous êtes pour la pertinence de vos questions, de vos avis, de vos observations et de vos recommandations. Cela dénote sans doute d'un sens de responsabilité et du souci qui vous anime de voir notre chère ville revêtir sa plus belle robe et notre population vivre dans un environnement assez. En liminaire, qu'il me soit permis de relever que le FONAC est un instrument créé par votre institution en vue d'assurer la canalisation et le financement des activités liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. À cet effet, à l'instar du Fonds national d'entretien routier de Foner, en cible, qui collecte les redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres, et le Fonds de promotion de l'industrie FPI en cible, qui collecte et gère les ressources financières générées par la taxe de promotion de l'industrie, le FONAC joue le même rôle que le FONER et le FPI, en ce sens qu'il est notamment chargé de gérer les différentes taxes liées à l'assainissement, dont la taxation et le recouvrement sont assurés par les coordinations urbaines de l'environnement et la DGA. De ce fait, en tant que fiduciaire, le FONAC est ce canal qui permet donc la lisibilité et la traçabilité des fonds collectés pour l'assainissement. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le FONAC n'est pas la seule source de financement de l'assainissement de la ville. Le gros du financement est réalisé par le Trésor cubain et le principal bénéficiaire en est la RACI. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, au cours du débat, près de 20 honorables députés ont pris la parole et une panoplie de questions ont été posées. Pour besoin de méthodologie et de cohérence dans mes propos, j'ai regroupé les réponses de manière thématique. 1. La gestion du FONAC. 2. L'assainissement de la ville. 3. Les partenaires du FONAC. 4. La RACI. Ainsi, s'agissant de la question relative à la gestion du FONAC, j'ai reçu les préoccupations et questions des honorables. D'ici. Honorable Peter, il vous est interdit de quitter la salle aujourd'hui. Vous laissez vos téléphones entre les mains de l'honorable Lisa. Comme ça, ça va me rassurer que vous allez l'appeler. Continuez, monsieur. J'ai reçu les préoccupations et questions des honorables. D'ici, Bo, Kyoko, Imoala, Labongo et Kalonji. C'est par souci de trouver des solutions idoines à la problématique de l'assainissement de la ville de Kinshasa que le FONAC a été institué par l'édit du 9 septembre 2013 et mis en œuvre en août 2016. Le FONAC n'a pas encore atteint sa pleine maturité et croissance, d'autant plus que toutes les ressources mieux reconnues par les textes réglementaires ne lui sont pas encore rétrocédées. Il importe qu'ensemble, nous puissions faire une évaluation avant d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Au sujet du fonctionnement du FONAC, il sied de signaler que le directeur général assure la coordination de toutes les activités du FONAC. À ce titre, il est l'ordonnateur provincial délégué de tout projet en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. Il gère le personnel, les crédits ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition du FONAC. S'agissant des fonds reçus par le FONAC depuis l'avènement du gouvernement Bobila, ils proviennent de 1. La taxe d'assainissement des marchés cubains. À ce jour, ces marchés ne rétrocèdent plus rien. 2. La taxe d'assainissement des producteurs et distributeurs de matières plastiques recouvrée par la DGK et nivelée dans le compte du FONAC. Les frais d'enfouissement des déchets facturés par la RACI, les frais de déversement des déchets dans les stations de transfert
collectés par la racine. Quant à l'écart des chiffres relevés entre le fondat et la racine, cette situation a été soulignée par la dernière commission de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la principale cause était la différence des taux de change appliqués par le parti. En 2020, tout était pratiquement à l'arrêt, donnant enregistré très peu de transferts entre Fonac et Vassal. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, abordant les questions des préoccupations ayant trait à l'assainissement posées par les honorables Moufis, Kayembe et Douala, il est à noter que la ville de Kinshasa produit près de 9000 tonnes de déchets par jour, avec une moyenne de production journalière de 700 grammes par habitant. Pour ce qui est du coût estimatif de l'assainissement de la ville de Kinshasa, j'évoque ici l'étude menée par la Banque mondiale qui atteste que le coût de la gestion intégrale des déchets s'élève à 30 dollars par tonne. Cela revient à dire que la ville produisant 9000 tonnes de déchets par jour, le balayage, le désensablement, le débroussaillage, la collecte et les évacuations des déchets, le traitement, le recyclage et la valorisation de 270 tonnes de déchets produits mensuellement coûteraient 8 100 000 dollars par mois. Et s'il faut faire face aux autres axes de l'assainissement que sont le curage des caniveaux, le traitement des boues de vidange et l'implantation de la pierre publique, la lutte antivectorielle, la lutte anti-érosive, le reboisement, et l'embellissement des espaces publics, la ville devrait mobiliser non plus 8 100 000 dollars, mais bien 12 millions de dollars par mois. Si la ville veut se fonder sur ce postulat, c'est-à-dire assainir Kinshasa avec ce montant, il faut mettre en place une politique plus agressive pour atteindre la dite somme. J'estime, outre les études qui doivent être impérativement menées pour les sites par ailleurs, Paris, il y a lieu de 1. Dématérialiser toutes les taxes liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement pour accroître ses recettes et minorer la fraude fiscale. 2. Activer et orienter toutes les taxes liées à l'assainissement au FONAC. Il s'agit des taxes suivantes. La taxe d'assainissement et d'enlèvement du mondisme aux eaux ménagères des activités commerciales, artisanales et assimilées. La taxe des magasins pavillonnaires des marchés. La taxe d'assainissement et dans les ventes de l'industrie ménagère dans les ports fluviaux et la taxe spéciale d'assainissement puis au déchargement des wagons et unités flottantes dans les ports fluviaux perçus au niveau du budget public des ports. La taxe d'assainissement due par le marché urbain, la taxe de pollution, la taxe de mise sur le marché des matières non biodégradables, la taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1, 2 et 2. 3. Solliciter les contributions financières des institutions nationales et de coopération internationale. Et 4. Dégager une allocation budgétaire plus conséquente de la ville pour combler le gap. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, comme je l'avais souligné dans vos propos précédents, le FONAC est un fonds fiduciaire et non une régie financière comme la DGK, et encore moins un opérateur chargé des évacuations des déchets ou autres travaux d'assainissement comme la racine. En prenant l'exemple de la voie urbaine, ce n'est pas le FONER qui réhabilite les routes de la ville de Kinshasa, mais c'est bien l'OVD. Quant à l'élaboration du plan d'assainissement au niveau de la ville, il est institué au sein du ministère provincial et en charge de l'environnement, une cellule stratégique composée des experts du ministère, des divisions urbaines de l'environnement, de la coordination Kinbopeto, de la racine et du FONAC, qui définissent des programmes et plans d'assainissement de la ville suivant la vision du gouverneur de la ville. En ce qui concerne les communes, sous la supervision des bourgmestres, il existe des brigades communales de salubrité qui sont appelées à assurer l'assainissement de leurs communes respectives. Ainsi, ces brigades sont chargées de appuyer la sensibilisation, la conscientisation et l'éducation de la population sur les règles de l'assainissement du milieu.
de rechercher et constater les infractions en matière d'assainissement sur toute l'étendue de leur juridiction respective et enfin de faire appliquer les sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires en matière d'assainissement. Pour ce qui est des stations de transfert des déchets, le FONAC a eu à financer la réhabilitation de 4 stations, à savoir celles de Maïngué, Mapezo, Bangala et Kabassé. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, dans le chapitre des partenaires, les honorables Nodis, Mbo, Issoumbe, Nembalé, Mbaké, Dumoila, nous ont posé la question pour s'enquérir davantage sur la situation relative aux différents partenaires du FONAC. À ce sujet, je voudrais mieux expliciter ce que j'ai exposé du haut de cette tribune à propos des partenaires du FONAC. De manière concrète, je tiens à préciser qu'à ce jour, le FONAC n'a plus de structures qui soient en partenariat avec lui et qui contribuent financièrement à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Autrefois, suivant les instructions de la haute hiérarchie du pays, relayées par la lettre numéro 0636/03/2017 du 23 mars 2017 de M. le directeur du cabinet du chef de l'État, l'OGFAN, la DGDA, la DGRA et ses taxes au profit du FONAC. S'agissant du BCECO, le BCECO a pour mission principale de gérer les projets et les programmes sous financement du gouvernement de la République ou des bailleurs de fonds BIP et multilatéraux. Sa mise en place est apparue comme une réponse dans la gestion, le financement et l'exécution des projets sectoriels et multisectoriels. En son temps, la ville de Kinshasa a eu à bénéficier d'un projet de salubrité publique du gouvernement central. 64 ONG ont été recrutées pour le balayage et l'embellissement des grandes artères et des places publiques. La régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK, était chargée de la collecte secondaire. C'est le BCECO qui gère ce projet au plein sens du mot. Avant le terme de ce projet, un protocole d'accord de financement du projet de salubrité publique dans la ville de Kinshasa a été signé entre le gouvernement de la République et le gouvernement provincial de Kinshasa. C'est l'agence de gestion du projet devait gérer ce projet, mais malheureusement, ce protocole n'a jamais été mis en œuvre par le fait de la non-ouverture du compte du projet par le ministre national des Finances. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, en ce qui concerne les questions posées par les honorables Moudissi, Kyoko, Issoumbe et Kassongo sur le financement de la racine par le FONAC, des lieux de porter à la connaissance de la représentation provinciale les précisions suivantes. La RASKIN, suivant l'arrêté instituant, est un service technique de la ville de Kinshasa, chargé notamment de réaliser les travaux d'assainissement de la ville. Le FONAC a pour mission le financement des activités liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement. Il procède à ce titre au financement en partie des travaux d'assainissement de la racine. Pour ce faire, cette dernière transmet un état de besoin au ministre provincial en charge de l'environnement qui, après validation, le transmet à son tour au FONAC pour décaissement si la trésorerie le permet. Compte tenu du volume des opérations de transfert effectuées avec la racine, nous avons jugé bon de mettre les détails des versements opérés en faveur de la racine dans le tableau en annexe. Les honorables Kaïmé et Nembalemba ont voulu avoir plus de précisions sur le programme d'évacuation des déchets des marchés. À ce sujet, il est à relever que pour résoudre les premiers problèmes de la salubrité des marchés, ces derniers avaient l'obligation de verser journalièrement la quantité des frais d'étalage au compte du FONAC pour financer les évacuations des déchets produits journalièrement. Ces opérations d'évacuation étaient réalisées par la RASKIN. Cependant, le non-versement par le marché de la quantité d'effets d'étalage perçus a occasionné l'arrêt du dit programme. Plusieurs initiatives, notamment des correspondances
leur ont été adressés pour les amener à s'acquitter de cette obligation se sont révélés sans suite. L'échantillon des fiches de suivi des évacuations en annexe démontre le niveau de réalisation de ce programme d'évacuation des déchets des marchés, annexe 4. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, les questions posées, les préoccupations soulevées, les l'attention particulière de la représentation provinciale montrent la suffisance, l'importance et l'intérêt de l'assainissement dans le vécu quotidien de la population kinoise. L'assainissement, c'est notre affaire à nous tous. Nous tous, nous produisons des déchets. Tous ensemble avons le devoir d'y apporter des solutions durables, tout en étant conscients que la problématique de l'assainissement de la ville de Kinshasa ne pourra se résoudre qu'avec nos capacités mobilisatrices de ressources conséquentes à affecter dans les 10 secteurs par la mutualisation de nos efforts s'agissant d'une matière transversale. Pour terminer, je réitère mon vœu le plus ardent auprès de vous, élus provinciaux de la ville de Kinshasa, autorité budgétaire, afin que vous puissiez formuler les recommandations nécessaires en vue de garantir aux Kinois et Kinois une métropole attractive, rayonnante et résiliente, offrant un cadre de vie axé sur le musée. Quant à moi, je vous rassure de mon engagement citoyen à ne ménager aucun effort de jouer le rôle qui est le mien. Je vous remercie. Merci. Honorable député, chers collègues. Président, honorable membre du bureau, honorable député, membre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et chers collègues. Monsieur le directeur général du FONAC, je voudrais avant tout, du haut de cette tribune, remercier l'honorable président ainsi que l'ensemble des membres du bureau pour avoir programmé et inscrit à l'ordre du jour de cette plénière l'audition de réponse du directeur général des FONAC sur les préoccupations soulevées en rapport avec la question orale avec débat sous examen. Mes remerciements s'adressent également aux honorables députés, membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour la pertinence des questions posées et l'importance des préoccupations soulevées lors du débat général consacré à l'examen de cette question orale avec débat. Honorable Président, avant de conclure sur les sujets qui ont fait l'objet de nos diverses préoccupations en rapport avec cette question orale avec débat, je voudrais observer à l'attention de l'auguste Assemblée que la réponse fournie par les DG du FONAC ont permis aux Kinois et Kinois de se faire une opinion juste sur ce qui suit. 1. Le bilan assez négatif à l'actif du DG du FONAC qui ne parvient depuis plusieurs années de création et de gestion financière de cette structure à financer le nombre de projets ou programmes formels concernant la réalisation de grands travaux en matière d'assainissement, de lutte anti-érosive ou de protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Dans les cas précis, il a lieu de comprendre que la gestion du FONAC a été réduite contre toute attente aux travaux de moindre envergure, notamment l'évacuation des immondices dans certains marchés urbains éligibles. Deux, la non-traçabilité ainsi que le manque de transparence dans la gestion et l'affectation de certaines recettes générées ou allouées au FONAC pour lesquelles les informations irrelatives sont éliminées dans la réponse fournie par le directeur général du FONAC. Il s'agit notamment des contributions financières
Bois Congo et Bézéco. Bézéco, tout de même, je la divise avec sa dernière intervention. Tout à l'heure là, ces éléments-là, je ne les avais pas au départ. Trois, l'insuffisance criante du leadership managérial de cette structure urbaine qui se résume notamment à l'absence des contrats de partenariat qui devraient être conclus par le FONAR afin de procéder à la mobilisation effective des ressources extérieures nécessaires au financement de projets et de programmes de grands travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa, notamment auprès de bailleurs de fonds. Cependant, il est fort regrettable de constater que l'inaction du DG du FONAR n'a pas donné. Étant malheureux, je sais secourir les malheureux. Lors de ma question orale avec Deba ici, à la phase de la conclusion, je voulais conclure comme le fait mon collègue aujourd'hui, mais j'ai été interpellé parce que les collègues n'avaient pas leur copie. Je ne sais pas comprendre comment vous accordez la chance aux collègues de procéder pendant que nous n'avons rien entre nos mains. J'ai dit. Merci beaucoup. Moi je vois, vous savez, quand les papas mangent, ils voient que tous les enfants mangent. Non. Donc, et vous n'avez pas réussi la copie de la réplique? Alors, je voudrais suggérer ceci. Je voudrais suggérer ceci. Président? Oui. Bon, pour ce qui concerne, si des fois je vais multiplier ça très vite, mais j'ai prévu des copies pour tous les collègues en ce qui concerne les recommandations. Je pensais que pour les conclusions, je pouvais faire plus tard, mais en tout cas pour ce qui concerne les recommandations, j'ai prévu des copies. Voilà. On pourrait avoir. Donc, je voulais suggérer ceci. Comme les collègues ont déjà commencé sa présentation. Je demande à l'administration de nous tirer, de multiplier les copies et il continue comme il avait déjà commencé. La prière est au-dessus de tout le monde. Donc, je négocie avec ma chef qui est la prière. Mon honorable Elisa, vous voulez prendre la parole? Oui, vous l'avez. Après, ça sera l'honorable Roger Limoana. Merci, honorable président, pour la parole. Je vais être brève. Honorable président, pour le cas de la question orale de l'honorable Armand, on avait dû suspendre, faire des copies. Nous avons les documents et nous pouvons suivre les conclusions du collège. Je propose que nous puissions aller dans le même sens pour ce qui concerne la question orale de l'honorable Mike. Donc, s'il y a possibilité de suspendre, il nous fait des copies. Nous avons les documents devant nous et nous pouvons évoluer. C'est ce qui s'était passé pour la question orale quand nous avons fait venir la chargée de mission du marché de la liberté, honorable président. Je ne sais pas pourquoi, dans ce cas, vous allez faire exception. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, moi, comme il y a déjà une jurisprudence, je vais suivre cette proposition. Mais ces jours-là, il y avait des collègues qui voulaient bloquer la plénière. C'était seulement par élégance que cela a été fait. Il y a des gens qui étaient déterminés à bloquer la plénière. Il fallait leur ôter l'animal complet. Alors, moi, je suis esclave de la plénière. Si la plénière lève l'option, je vais m'incliner. On va approcher du mal. C'est pourquoi il ne faut jamais jeter de la salive en l'air. Ça finira par vous retomber sur le visage.
Il y a des gens qui changent les règlements au gré de leurs intérêts. Moi, j'attends la conclusion. Parce que souvent, on dit non, les protège l'exécutif. Et on y va aller. Donc, honorable Roger. Merci, président, pour la parole. Je n'ai pas de cravate rouge. Je n'ai pas de cravate rouge. Oui, merci. J'aimerais faire appel à ma formation de pédagogue et de psychologue. Je ne comprends pas une chose, président. Si nous adressons une question orale qui est suivie d'un débat et que l'intéressé, la personne interrogée, demande un délai pour répondre, quand il vient répondre ici et que l'interpellateur a déjà ses conclusions, à quoi sert donc la réponse de la personne qui vient répondre ici? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je n'entre même pas dans ce débat-là. J'aimerais quand même que, pédagogiquement, on m'explique à quoi servirait la réponse d'une personnalité à laquelle on aurait adressé une question si, avant même d'avoir entendu la réponse, l'interpellateur a déjà des conclusions. Je n'entre ni dans la matière concernant Fournac ni Nadam, c'est dans notre procédure. Si il a déjà des conclusions toutes faites, alors ça ne sert à rien que la personne interpellée vienne ici nous demander un délai parce que les carottes étaient soit déjà cuites, soit non. Il faut intégrer, et c'est cela l'honnêteté, il faut intégrer la réponse qui est donnée. Il faut donner du temps à la personne qui est interpellée d'intégrer ces réponses-là. Si ce n'est pas possible, ça ne sert à rien qu'on donne du temps à des personnalités pour répondre quand on sait déjà qu'on a déjà rédigé avant même d'avoir la réponse, les conclusions. Bref, je veux dire, président, je n'ai pas de réponse sur la problématique maintenant, je suis étonné. Si il avait déjà rédigé, c'est déjà signé, c'est saisi, lui n'avait pas répondu encore, alors qu'est-ce qu'on est venu faire? J'aimerais vraiment qu'on débatte sur ce point, président, comme ça on va dégager un mode opératoire qui sera maintenant suivi de tous. Voilà ce que je vais ajouter sur cette question présente. Je suis vraiment un peu interpellé moi-même pour savoir quelle est la pertinence à nos réponses, si on ne peut pas les intégrer, ou bien ça peut aussi changer des recommandations dès qu'on a des éléments. Moi, j'en sais rien. Je pose la question. Une première partie des réponses. Donc, on suppose que l'auteur s'est déjà fait une opinion. Mais c'est comme un discours que vous présentez, vous pouvez le modifier à tout moment. Donc j'ose croire que pendant que les DG répondaient, les collègues a dit compléter ce qui manquait ou enlever. Non, c'est ça toute la problématique. En fait, ces jours-là, c'était une plénière qu'il y a des collègues qui étaient déterminés à perturber la plénière. Et comme nous ne violons pas les règlements, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut jamais avoir l'habitude de jeter de la salive en l'air. Ça finira par vous retomber sur le visage. Et voyez, voilà. Donc, on fait les choses de manière mandarinée. Non, merci, collègue Roger. C'est très pertinent. Honorable Joseph Manguet. Merci, président. En fait, je venais à... Et après, on vient faire ce cinéma, on dit... On propose déjà, je parle d'un projet de conclusion. Nous venons avec un projet de conclusion. À la deuxième série, avec les réponses de l'intéressé, il y a des éléments qui viennent s'ajouter sur les premières réponses que vous avez déjà dans votre conclusion. Voilà, là je soutiens que les réponses de la première série de questions ou la première réaction plutôt de l'auteur de la question, c'est possible que ça soit déjà saisi depuis la maison parce qu'il y a eu une première série de réponses données par l'intéressé de la question. Et maintenant là, honorable président, moi je pense que
ce que le collègue a prévu, les réponses ou les conclusions, ou la conclusion partielle qu'il avait plutôt, nous pouvons déjà la voir et on n'a pas péché. Les éléments qu'il vient d'ajouter sur place là, on peut les saisir et puis on peut nous amener ça même après. Mais sinon, nous ne pouvons pas travailler comme étant de simples auditeurs. Nous n'avons pas un élément entre nos mains à suivre. En tout cas, on n'a pas perdu si nous pouvons suivre la même procédure, comme ça a été dans mon cas, et puis nous changeons pour les jours à venir. Je dis honorable président. Mais je suis choquée, tout comme l'honorable Dumoala. L'honorable Mike, qui est mon grand frère, apparemment avait déjà fait sa saisie depuis, par exemple, hier soir ou avant, les jours d'avant. Il avait déjà fait sa saisie. Il avait déjà préparé ses réponses et conclusions, honorable président. Donc, tant que Zaki a rédigé ma conclusion, là, il pouvait aussi déjà faire des copies pour mettre à la disposition des collègues. Parce qu'il avait déjà conclu chez lui à la maison. Donc, s'il vous plaît, président, nous vous demandons de soumettre sur la question à la plénière, au lieu que plusieurs collègues puissent passer, nous allons dire oui, non, la plénière étant souveraine, soumettez la question au niveau de la plénière, honorable président, mais nous voulons vraiment avoir ces documents qui étaient déjà préparés. Je suis quand même choquée quand j'ai vu l'honorable Mike avec un papier. Moi, j'aurais bien voulu le voir en train de lui répondre par rapport aux réponses du DG du FONAC. Mais il avait déjà un papier préparé. C'est ce papier-là que nous voulons, honorable président. Va tirer la disposition de la mission. Merci. Et là, je crois qu'il y a déjà une jurisprudence qui s'était déjà établie. Je vais soumettre la question au roi. Qui pense qu'il faut impérativement que les députés aient les copies de la conclusion? S'il vous plaît, collègue, si vous étiez juste, les jours où la chargée de mission passait, vous m'aurez soutenu. Oui, vous étiez en retard. Vous m'avez laissé ici seul. Donc, c'est ça les drames. Quand vous imposez l'arbitraire, un jour l'arbitraire s'opposera. Donc, je crois qu'au stade actuel, moi, je pose la question. Qui pense qu'il faut impérativement que nous ayons des copies? Des copies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qui sont contre? Abstention. Donc, je vais suspendre la séance pendant 10 minutes pour que nous ayons. La séance est suspendue. J'ai une étroite collaboration avec le ministère du Plan et celui de la coopération international afin de nouer des contacts avec des partenaires extérieurs qui prévoient chaque année des lignes de crédit pour l'appui à l'assainissement et à la protection de l'environnement, surtout en faveur des agglomérations locales des États de l'Afrique subsaharienne. Au nombre de ces partenaires extérieurs, nous pourrons citer l'Association internationale pour le développement, l'Agence française de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale. Honorable Président, vous avez constaté que le directeur, avec moi, que le directeur général du FONAC, au lieu de rencontrer de manière claire, chiffrée et précise les différentes préoccupations qui lui ont été formulées dans le cadre de cette question orale avec débat, il est plutôt resté évasif dans ses éléments de réponse. À propos de la première préoccupation, le DG de FONAC s'est énergiquement réservé de nous fournir la liste exhaustive de tous les partenaires et services qui alimentent les comptes du FONAC par la contribution, je dis que ici encore, je la divise, parce que certains autres éléments ont été apportés par les DG ici. Pour ce faire, il a, excusez-moi, j'ai pas de vue,
je devrais en principe porter des lunettes sans souffle. C'est le fait des omelettes qui m'attendent. Les omelettes avec des yeux. Pour ce faire, il n'a cité que trois partenaires, OCC, OGFM, des derniers fleurs. Après, c'est pas. Excusez-moi. Comme vous avez les documents fleurs passés, excusez-moi, j'ai pas mal de problèmes. Ce qui est grave, M. le directeur général du FONAC a invité les fonds BESCO. J'avais encore géré la divise sur cette question parce que selon les dernières réponses, il n'y a pas eu de conclusion sur le partenariat qui avait été entamé entre les deux parties, mais laissez-moi quand même aller jusqu'au bout du paragraphe. Ainsi que les nivellements bancaires reçus par sa structure au titre des contributions financières consenties par les entreprises productrices des emballages plastiques conformément au protocole d'accord signé à cet effet par la FED et la ville de Kinshasa. Cette omission ordinaire et fautive et peu, je relativise encore parce que certains autres points sont été apportés aujourd'hui, s'est justifiée comme une tentative délibérée ayant pour finalité de limiter certaines recettes publiques importantes au FONAC. Pour ce qui est de la deuxième préoccupation, les statistiques produites par les DG du FONAC ne sont pas appuyées par des détails précis tels que constatés avec des réalisations chiffrées par acte générateur ou source de provenance dite de ressources. Dans le même registre, il est lieu de noter que les calculs effectués selon les informations bien découpées à notre possession, ces informations font état des réalisations de loin supérieures aux chiffres déclarés par les DG du FONAC. Aussi, troisième préoccupation, je note avec regret que pour l'exercice 2020, les DG du FONAC a rétrocédé 5 versements à la Raskine pour un montant total d'environ 50 millions de francs congolais sur les réalisations de plus d'un milliard, soit moins de 1%. Les 99% des recettes réalisées ont été affectées à des dépenses budgéticides par rapport aux missions confiées au FONAC. Mal gouvernance et dilapidation de votre part de ressources qui devraient être affectées en priorité essentiellement aux travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Au sujet de la quatrième préoccupation, aucune information chiffrée détaillée et justifiée n'a été fournie ou divulguée par vous sur les fonds mis à la disposition de la structure qui est bobéto par les FONAC. En effet, il est à considérer que la rétention de ça, je ne sais pas ce que vous avez, ok, compte tenu de certaines informations qui se sont ajoutées aujourd'hui. Pour chuter, je constate, excusez-moi, qu'il subsiste encore plusieurs zones d'ombre dans la réponse évasive et moins convaincante du DG du FONAC. Et sur ce, je passe donc aux recommandations. C'est pourquoi j'ai formulé la recommandation suivante. 1. Au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de saisir toutes affaires cessantes, les instances compétentes, à savoir l'inspection de service, la brigade antifraude ou autre IGF, pour réaliser des enquêtes approfondies sur les indices sérieux des malversations des ressources financières du FONAC. Et c'est depuis sa création jusqu'à ce jour. Au gouvernement de la ville de Kinshasa, de procéder dans le meilleur délai au renforcement du leadership managérial du FONAC. Au FONAC, d'envisager la mise en œuvre
de tous les mécanismes susceptibles, je change un peu la formule pour ceux qui ont les documents, susceptibles de conduire à une mobilisation effective des ressources extérieures nécessaires au financement des grands travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa auprès de bailleurs de fonds internationaux, et c'est en concertation avec le ministère du Plan et celui chargé de la coopération internationale. Tel est, honorable président et chers collègues, honorable député, la substance de la conclusion aux divers sujets débattus dans le cadre de la question orale avec débat adressé à M. le directeur général du FONAP. Je vous en remercie. Merci beaucoup, collègue. La ville de Kinshasa. Donc, nous pouvons remplacer le renforcement du leadership par réforme. Réforme. L'ordinateur pourrait venir. Tant mieux, mais ça amoudrait la machine. Donc, je suppose qu'avec les premières. La collègue Nabisso a lobby déjà l'ouvrage, mais pas ça la réforme. Tout le capé audit, il y a contrôle, il y a la Niger, il y a la brigade Nabisso, et il y a pour contrôler. Alors, Naboy, Malo, nous ne pouvons pas faire. Vous avez pris le problème comme il a. Vous avez pris le problème. Vous avez pris la caméra dans la zone. Vous avez pris le problème. Vous avez pris le problème. Vous avez la démocratie. Mon colo question orale, vous avez pris le problème. Conclusion. Dans la zone, vous avez pris la clé. Vous avez pris le problème. Donc, nous avons pris le problème. Vous avez pris le problème comme il a. Vous avez entendu? Voilà. Honorable Président, merci pour la parole. Je pense que les débats sont prêts 14. Donc la plénière perd ou n'est pas adoptée. Mais il n'y a pas de débat, vous avez raison. Vous voulez prendre la parole? Non, qu'il vienne, qu'il termine, vous allez le compléter. Qu'il termine, vous allez le compléter. Continuez, collègue. Qu'il termine, vous allez le relayer. Je demandais ceci. Avoir des conclusions de l'honorable Maître Moukébaï, moi je pense, je discute avec certains de mes collègues, nous ne sommes pas satisfaits de réponses que nous a données le DG du FONAC. Raison pour laquelle j'ai demandé à la plénière si on peut sursoir les recommandations de l'honorable Maître pour permettre, comment dirais-je, au DG du FONAC de revenir encore. Parce que si vous avez, comment je m'adresse à mes collègues, ces éléments de réponse de la fois dernière ainsi que celle qui nous a apporté aujourd'hui, ça ne nous a pas apporté lumière. Parce que lorsque je prends même les conclusions ou les éléments que nous a présenté l'honorable Maître, lorsqu'il dit le bilan assez négatif, le bilan assez négatif des animateurs du FONAC, l'insuffisance criante dans la gestion de ces fonds, ainsi que le manque de statistiques, ainsi que les éléments qui prouvent que la FONAC a donné des fonds d'assainissement. Moi, je pense, honorable président, si vous permettez, vous allez soumettre la question à la plénière, si à la séance, comment je peux dire, à la plénière subséquente, si le DG de la FONAC peut revenir nous éclairer en nous apportant ces éléments avec preuve, parce que dans ces années, on ne trouve pas, pour que nous puissions, pour que la plénière puisse prendre la décision suite aux recommandations de l'honorable maire. Je dis. Oui, oui, ça vaut la peine, mon travail est bon. C'est un travail, même moi-même, je me fais assister de l'administration. Bon, en attendant l'intervention du collègue, il y a l'honorable Oumé qui fait. Vous êtes prêt, collègue? Merci beaucoup pour la parole. Si j'ai le même texte que l'honorable Jim, okay. Il a parlé de l'article 9.14. Oui. Donc, la plénière a entre autres pouvoirs adopté, c'est ce que je vais essayer de dire ici, adopté des résolutions et des recommandations dans les matières non législatives. C'est ça le même texte? C'est celui-là. C'est ça le texte? Non, je voudrais le rencontrer. C'est ça le même texte? C'est le texte unique que nous avons. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment bien clair. Si l'honorable Jim
veut initier une autre procédure. Il n'a qu'à le dire. Ici, il s'agit des recommandations que j'ai présentées et à la PENIA de les adopter aujourd'hui, maintenant, maintenant, pas demain. Si la PENIA n'est pas d'accord avec mes résolutions, tant mieux. J'ai présenté les miennes. Dans son pouvoir à lui, la PENIA va décider. Et non, faire revenir, je ne sais pas, hein. Plutôt que je n'ai pas le même entendement du texte, le faire revenir ici, je ne vois pas par quelle voie. J'ai présenté mes recommandations ici et maintenant. Et je crois que j'attends de la plénière de dire oui ou non. Parce que la question fondamentale, et vous savez, ne nous voilons pas la face, la question fondamentale ici, c'est de clore la question fondamentale. Et nous savons quel enjeu il y a derrière. Et on veut tirer les choses en longueur pour que la question orale avec débat contre l'agression au gouvernement ne passe pas ici. Non, 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 c'est mon point de vue. S'il vous plaît, ne criez pas. Quand nous débattons ici, attendez, président, laissez-moi, président. Mais écoutez, laissez les collègues. Je ne peux pas comprendre. Laissez les collègues, laissez les collègues. Laissez les collègues. Excusez-moi, vous êtes protégé par les. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes protégé par les papiers. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez les collègues, vous serez pour l'État. Vous serez pour l'État. Collègues, je vous ai dit, laissez-les terminer, vous allez intervenir. Président. Vous avez la parole. Je crois que la question est simple. Il s'agit de clore ce débat-là maintenant. J'ai présenté mes recommandations. Si la PNR n'est pas d'accord avec moi, à elle de se prononcer et nous passerons à autre chose. Les restes de brèches que les uns et les autres veulent ouvrir ne concernent pas ma question. Donc en descendant de cette tribune, je reste dans l'attente que la PNR se prononce et par la suite, je considère que ce débat est clos au jour d'aujourd'hui. En vertu de notre règlement intérieur. Merci. Très bien. Il n'y a pas une motion. Vous allez répondre, mais on laisse d'abord les motionnaires parler. Soyez calme. Honorable député, chers collègues, il n'y a personne qui cherche à bloquer quoi que ce soit. Donc vous avez vu, j'ai posé des questions précises. J'ai posé des questions précises. C'est pour connaître de quoi il s'agit exactement. Mais ici, nous voulons que les choses soient faites avec suffisamment de professionnalisme. Les collègues ont fait ses conclusions. Ceux qui veulent réagir, donc la plénière, comme il venait de dire, la plénière a la possibilité soit d'adopter les recommandations telles qu'elles, soit de les modifier. Alors, il ne faut pas qu'on fasse qu'il y a des dilatoires. On n'en a pas besoin, ça d'après. Il n'y a pas de dilatoires. Je voulais qu'on constate ici que dans les recommandations, on n'a pas demandé le départ des mandataires. Ça, il faut nous noter et nous devons acter. Je ne voudrais pas qu'après cette plénière, qu'il y ait des gens qui racontent encore de son maître à moi. C'est ça la démarche. Mais comme mes collègues l'ont dit, la plénière va bel et bien si. Et la pièce, les recommandations seront gardées dans leurs termes. Si elle veut les modifier, elle est souveraine par rapport à ça. Mais il n'y a rien de dilatoire. Je voulais que le texte soit clair. Et nous avons tous saisi le message. Voilà. C'est pourquoi j'avais demandé une motion de procédure. Je crois qu'après la conclusion de l'honorable Mike, je crois que, avant même la conclusion, c'est le président vous-même. Vous avez demandé à l'honorable Mike de pouvoir passer à la conclusion. Donc, moi, je pense que quand on parle des conclusions, c'est déjà conclu. Donc, la question orale avec débat a été clôturée par rapport à son auteur. Et vous avez évoqué également l'article 9 à son alinéa 14 où on parle. Le pouvoir de la plénière, ça veut dire d'adopter des résolutions et des recommandations dans la matière non législative. Ça veut dire, si quelqu'un se sent lésé ou bien il se retrouve face à des idées, dans ses préoccupations, avec tout le pouvoir qu'il a, étant qu'il est député,
il peut, parce qu'on ne lui interdit pas, il peut à son tour produire ou bien introduire une question orale avec le bar. Mais quant à ce, moi je pense qu'avec la procédure du premier, on peut passer soit à l'adoption ou soit au rejet, c'est tout, et puis prochainement on passe à autre chose. Parce que je crois que ça pourrait nous épargner beaucoup de débats et de décisions, parce que le temps est déjà dépassé après la conclusion, monsieur le président. Honorable député, chers collègues, n'inventons pas la roue. Je reviens toujours sur ma question orale avec débat. Après avoir communiqué mes recommandations, elles ont été soumises à un amendement, honorable président. Elles ont été amendées par la plénière. Et pourquoi toujours cette politique de deux poids, deux mesures? C'est ce que moi je ne comprends pas. Je pense que nous devons passer à l'amendement de recommandations de notre collègue. Nous ne devons pas les avaler comme ça. Et dans les amendements, ce sont des ajouts aussi qui peuvent apparaître, les ajouts de certains collègues députés, qui constatent que parmi les recommandations, nous pouvons ajouter ça, ça, ça. Nous pouvons aussi retrancher ça, ça, ça. Nous devons accepter que ces recommandations soient amendées. Je dis, honorable président, au lieu de nous limiter là-bas et puis retenir déjà que nous savons que les DG ne doivent pas partir, ils restent là. Là, c'est de nous faire avaler, honorable président, des histoires que nous n'avons pas encore amendées. Voilà, nous sollicitons à l'Office Assemblée à ce que nous puissions passer au toilettage de ces recommandations. Passer ici, parce que avec toutes les pièces qu'il a su démontrer par rapport au FONAC, il a fallu que nous puissions, qu'il puisse le, comment dirais-je, le transformer en interpellation. Comme je ne suis pas l'auteur de la question orale avec débat, je ne peux pas la transformer en interpellation. Collègue, pour ça, il y a que la plénière qui peut se prononcer. S'il vous plaît, collègue, nous ne dialoguons pas. L'auteur a déjà compris. Maintenant, si tu veux transformer ça en interpellation, le règlement ne te le permet pas. Il n'y a que la plénière qui a ses pouvoirs. Tu comprends? Président. Il n'y a que la plénière qui peut se prononcer quand il va adopter les honorable président, raison pour laquelle j'ai demandé qu'on puisse surseoir les résolutions de l'honorable de Mike pour que, comme on l'intéressait, qu'il puisse encore nous donner plus de détails parce que pour moi. Les collègues font une suspicion légitime. Il faut d'abord rencontrer sa suspicion qui me semble légitime. Les collègues estiment que quand vous réclamez cela, ça constitue une sorte de dilatoire. Mais moi, je pense que comme c'est la plénière qui adopte, la plénière peut reformuler les recommandations. C'est ça. Mais autres, les parce qu'il faut aussi rencontrer ses craintes. Il faut rencontrer ses craintes par rapport au temps. Honorable président, dans ces résolutions, je ne peux pas dire incohérence, mais ce qu'il a décrit, il ne pouvait pas conclure de la sorte. Mais c'est sa conclusion. Mais les faits sont... Non, mais si c'est sa conclusion, j'admets. Mais pourquoi il a porté la question pour la question pour que nous puissions avoir des exercices? Il aurait dû faire une question écrite. Collègue, vous avez raison. Quand tout le monde aura parlé, on va interroger la plénière. Merci, parce que vous n'avez pas le pouvoir de convertir la question de notre collègue en interpellation. Mais autrement, je demande la plénière à ce soit. Laissez d'abord tout le monde intervenir. Et on n'a pas à ouvrir le débat sur une question qui venait d'être conclue, monsieur le président. Et je voudrais joindre ma voix à celle de l'honorable Samy pour. Constater dans notre règlement intérieur que la question orale appartient à son initiateur, pas à la plénière, encore moins à un autre député. Ça appartient à son initiateur.
Ça veut dire qu'il en donne la conclusion qu'il veut. Oui, s'il estime qu'il n'est pas satisfait et qu'il faille transformer la question en interpellation, il le dit clairement et c'est le règlement qu'il exige. S'il ne l'a pas dit, personne d'autre ne vient le dire à sa place. Celui qui voudrait autre chose n'a qu'à prendre son initiative à lui. C'est cela l'esprit du règlement, Monsieur le Président, avec la réserve que dans une même session, l'on ne va pas interpeller deux fois le même responsable de service. Donc ça veut dire que si nous voulons autre chose après, que celui qui en prend l'initiative nous soumette ce qu'il veut. Mais maintenant, Monsieur le Président, pour sortir de l'ornière, je voudrais demander que plutôt de relever des conclusions de l'initiateur de la question soit soumis à la plénière. Parce qu'il a lu ses recommandations. Soumettez, Monsieur le Président, ces recommandations à la plénière et vous auriez fait œuvre utile. Donc c'est ce que c'est la plénière dit. Oui, si vous connaître. C'est-à-dire lorsqu'on dit comme ça que quand on a conclu, il n'y a rien. Non. Ici, nous sommes en plénière, la conclusion ne conclut pas. Il faut d'abord que la plénière adopte, c'est assez au moment qu'on aura la conclusion. C'est pratiquement comme en recherche scientifique, il y a des conclusions partielles, il y a des conclusions générales. Honorable Roger Dumas. Cet après-midi est consécutif à la conclusion qui n'est pas une conclusion de l'honorable Marc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les conclusions tirées par l'honorable Marc posent encore plus le problème et cela demande nécessairement qu'on les comprenne. Adopter nécessite une discussion. On ne va pas avaler les conclusions pour lesquelles on n'est pas d'accord, bien qu'on n'a pas compris. C'est ça la vraie question. Moi, j'ai dû avouer qu'en regardant les recommandations, s'il me faudrait les adopter, Marc, tu accepterais qu'on en débatte. Parce que si, tel que je le vois là, je ne comprends rien. Président, pour dire, je vais dans le même sens que ce que vous venez de dire tout à l'heure. La conclusion de Marc, de l'honorable Marc, n'a rien compris du tout. Et il nous a laissé dans un flou artistique qui ne nous permet pas, qui n'a pas éclairé notre lanterne. Ça veut dire que nous ne pouvons pas chuter simplement en disant qui sont pour, qui sont contre. Ces recommandations démontrent ou méritent débat ici. Et ça prendra le temps que ça prendra. Par rapport à ce que dit l'honorable Jim qui demande encore que le DG puisse se réunir, là c'est extraordinaire, ça serait une première. Mais on a assez de matière par rapport à ce que j'ai déjà répondu et par rapport à la conclusion de l'honorable Mal pour que nous ici, nous puissions débattre des conclusions que nous avons votées, comme dit si bien l'honorable Bayamboudi là, mais cela nécessite un débat. Et ce débat devra prendre le temps que cela devra prendre. On ne va pas commencer à courir pour que nous puissions conclure. Honorable Mal, je vous suis, c'est vous-même qui nous avez mis dans cette... Dans ces yaourts, avec ce que je veux dire. Bon, il y a un débat pour vous, sans sentiment. Il y a un peu de mal à la moutonnière. Il y a un problème, Honorable président. Français des hommes et mon laïming. Oui. Je vous laisse, et fais ça pour ça. Tant que la question va dans la taille, la taille va la recommandation la sala, va voter en bon cas à bon côté. La sala qui doit l'étage. Il y a quelques-unes de mes recommandations qui ont été rejetées ici. Et il y a d'autres, il y a ma collègue et Baki Samaki, ici. Mais pourquoi il faut que les gambalamons ont l'adoption, il y a la recommandation au cas qu'on dit que Isawana. C'est pourquoi moi je propose directement, honorable président, qu'à
quand les collègues recommandent déjà au bureau de saisir toute affaire cessante, l'inspection générale de finances a réalisé des enquêtes approfondies. C'est-à-dire, tant qu'il soit ma décision, donc les conclusions à Souka, avant enquête OET. C'est pourquoi je propose, parmi ces recommandations, la séance de la conclusion de cette question orale avec débat. Même pour toujours. Merci. Laissez le docteur de la question orale. Je ne vais pas ici me justifier. Je ne vais pas répondre à certaines choses que j'ai entendues. Mais je crois que l'honorable Rifan Bayamoudia a donné un éclairage. Que beaucoup de choses qui sont en train d'être dites ici doivent l'être pendant l'adoption. On ouvrirait déjà ces débats-là. Mais j'aimerais quand même dire à l'honorable Dumala que j'ai rédigé mes résolutions et je les assume en tant qu'alternes. Vous ne pouvez pas me dire que je vous ai plongé dans la confusion. En tout cas, ça, je ne l'accepte pas. Je les ai rédigées et j'ai pensé qu'elles étaient celles-là. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre opinion. Mais je n'ai plongé personne dans une quelconque confusion. Et moi, je crois, à mon point de vue, de ma place où j'étais assise ici, que ce que tout le monde demande, c'est que c'est de passer à l'adoption de ces recommandations. Et j'insiste sur ce que j'ai dit, et je trouve déjà ici une idée qui vient d'être mise ici, excusez-moi, assez dangereuse, de décider de la surséance. J'ai dit, mes recommandations sont là, à la plénière, de décider, maintenant, si elle n'est pas d'accord, je constaterai. Si elle est d'accord, autant. Mais je ne comprendrai pas que nous sortions d'ici sans avoir clos cette question. Je ne le comprendrai pas. Vous l'avez vous-même si bien dit, le président, la conclusion, elle ne conclut pas, la conclusion ouvre la voie à l'adoption. Mais alors, tous les débats que nous faisons ici, nous les faisons pourquoi? Passons à l'adoption, président, s'il vous plaît. Et j'ai dit, merci. Merci, honorable Elisa. Honorable président, vous allez me permettre aussi de m'exprimer en général. Pour ma famille, et la population qui nous suit devrait avoir honte. Vraiment avoir honte d'avoir envoyé des députés comme nous. Pas tous collègues. Je retire, mon honorable président, je suis vraiment choquée. Il y a des hommes qui disent grand palais dans cette salle et des femmes qui disent grand palais. Je préfère parler globalement, président. C'est la modestie, je comprends. Mais comment est-ce qu'il est dans votre personnage? Dans la réponse de l'honorable Mike, de l'honorable président, s'il vous plaît, a commis malgouvernance. Un instant. Aucune information chiffrée, détaillée et justifiée n'a été fournie ou divulguée par vous sur les fonds mis à la disposition de la structure King Bupeto par le FONAC. En effet, il a été considéré que la rétention de cette information aussi importante par vous constitue ou l'outrage au Parlement, honorable président. Le document est là. Vous aurez la parole, collègue. Le document est là. À chacun son tour, honorable, cher collègue, laissez-moi finir. Vous aurez la parole, collègue. Soyez patient. Nous sommes là pour ça. Outrage au Parlement, honorable président. Mais nous ne comprenons pas. Nous parlons ici de l'eau de la Marmia, assainissement à la ville à Kinshasa. King Bopeto, Oyoka Kalakat et Misiko, nous avons le roi King Bopeto, les autres débarrassés. Gouverneur à ville à Kinshasa, King Bopeto, les autres dans son imaginaire. Nous sommes le roi Makinawa. Ici, nous parlons de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Tout le monde est pour et pour mon ami, collègues n'a pas sont maintenant. Yémoron a commis un outrage au Parlement. Yémoron a été dénoncé comme mal gouvernance. Yémoron. Mais il faut prendre la loi. Et pourquoi le renforcement du leadership managérial du FONAC. Au lieu qu'il y ait l'interpellation, on aura le président question, il me fallait qu'il y ait l'interpellation pour qu'il se contredit lui-même dans ma réponse. Dans ma réponse, il m'a dénoncé qu'il y a mal gouvernance. Il n'y a aucune information chiffrée. Il y a
n'invite son île de Kali, moi miracle et moi salami. Quand on a commencé à se faire, renforcement des leaderships managériales du Fondal. On est là, honorable président. Ils se contredit dans cette porte pour poser cette question, la question orale de l'honorable Mike devait être tournée en interpellation pour le bien-être même de la population qui voit ça, c'est lui-même qui dénonce. C'est vraiment regrettable, président. Je tenais vraiment à ce que la population kinoise, au bazon de la Bissau, dans mon Jérôme Salima, dans le Parlement, bien sûr que ça n'implique pas tout le monde, mais moi qui ai moi à émissé question orale, y'a moi à dénoncer ma femme, y'a moi à commencer la sous-sous, bâti à quoi. On est où là? Merci. Merci, collègue Mike. Collègue Mike. Bonjour président, merci. Commence à se jouer un petit jeu très malin et dangereux. Il se commence à jouer dans cette tribune un petit jeu malicieux et dangereux. Et je ne suis pas le plus faible dans ce jeu-là. C'est jeu de pique pour montrer que moi je défends le peuple, que lui ne défend pas. Je n'aime pas beaucoup. J'essaie de mener et ici et ailleurs, ne commençons pas. Je vous en prie, ne commençons pas. Je ne pense pas que certains qui sont le plus arrogants du haut de cette tribune s'en sortiront vainqueurs. S'il vous plaît, président, ne commençons pas. Ça, c'est des piques à l'endroit d'un député de mon honneur directement. J'ai lu les recommandations ici, les conclusions des recommandations. Mais je crois que tout le monde était attentif. Et à propos de cette phrase-là, je l'ai bypassée ici, outrage. Je m'en excusais ici, je vous ai dit que je la bypasse en raison des informations de dernière minute que le DG a mis aujourd'hui. Je l'ai bypassé ici, moi. Et je l'ai dit, s'il vous plaît, je l'ai bypassé ici parce que, je, ben, s'il vous plaît, je n'entre pas en contradiction avec vous. Vous en avez l'habitude, je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Et je ne vous regarde même pas, je regarde le président. J'ai bypassé. J'ai bypassé. J'ai bypassé cette question. Voyez-vous les difficultés d'ordre matériel qu'il y a, le texte est rédigé, il est là. Mais en disant ici, tout le monde m'a suivi, j'ai dit je bypasse. Même puisque les gens avaient des préjugés, si vous voulez atteindre quelqu'un, ne m'utilisez pas comme instrument. J'ai fait mon travail de député, j'ai tiré les recommandations qui sont les miennes que je suis prêt à assumer devant les Tunois. Je l'ai dit ici, à la tribune, donc je suis prêt de me justifier devant les Tunois. Mais si certains avaient leur plan, ne m'utilisez pas. Je suis désolé comme instrument sur moi. Si certains avaient rêvé derrière cette question, ou à aboutir à un objectif, moi je suis désolé, je n'ai pas fait partie de ces combines-là. Je suis désolé. J'ai fait des recommandations et je m'estime, je ne vous regarderai jamais, madame, et j'estime que mes recommandations sont profondes et qu'elles amènent à des enquêtes beaucoup plus approfondies. Et président, je crois que je l'ai dit et je l'ai dit. J'ai l'impression que maintenant je suis assis là à attendre que les gens montent les uns après les autres, certains tirent à la Kalachnikov, d'autres vraiment au bazooka sur moi. C'est inadmissible. Je sais tirer au bazooka. Que les gens se trompent. Oui, oui, monsieur. Je sais tirer au bazooka, c'est pas bon. C'est pas bon, je vous préviens. Ok, d'accord, président. Les clients qui me suivent doivent retenir que j'ai présenté des recommandations que j'assume. Et qui sont des recommandations profondes si elles sont menées jusqu'au bout. Mais il ne faut pas que les gens viennent m'imputer leur pensée à eux. Ce qu'ils avaient voulu voir comme conclusion, qu'ils m'imputent ça. Ah non, nous n'avons plus qu'à passer à l'adoption et nous pouvons cette question. Mais c'est le président. Ça. Non, tu vois pas. Monsieur, vous êtes protégé, collègue. Vous avez fini? Monsieur le président, je pense que nous devons passer à l'adoption, c'est ce que dit le règlement intérieur. Si les gens estiment qu'ils n'adoptent pas, je me soumettrai à la volonté de la plénière. Mais ce que moi j'ai craint, c'est tous ces temps que nous sommes en train de faire, nous tirons les choses en longueur. Vous l'avez dit vous-même si bien, moi je l'ai synthétisé aussi ici, que nous devons passer à l'adoption. Nous passons à l'adoption. Moi je me soumets à la volonté de la plénière en ce moment-là. Plutôt qu'il y ait un ping-pong ici qui ne nous avance pas. Ça, c'est une qualité. Merci. Nous sommes que parlementaires, nous sommes là pour parler. Honorable Jonathan. Après ça, c'est là, honorable Géry. Honorable Roméo, honorable Sartre.
On laisse tout le monde parler. Comme ça, nous allons attraper. Comme la Mwanza. La liste qui va être chargée. Il y a pour récolter un mot. Pour ne pas saigner, ça s'en affiche. Donc, on va arrêter. Quand on parlait du logo de ta comité, impossible. Dans la recommandation, il y a un collègue Mike. Azali Kosteng a dit ton ben a dit chef. Et lui, Koloba, il se va débiter dans un incapable. S'il vous plaît, on est incapable de contrôler une structure, il y a ville et puis qu'on va décision. Il n'y a pas de consigner le roi. C'est possible. Tout le monde a clair dans le camion. Et avant qu'on arrive, il n'y a pas d'opté ou pas la recommandation pour nos collègues à Sali. Mais il faut que tout le monde a clair dans le camion. Tout le monde a la montre dans le soukre. Malem, malem. Tout le monde a ni effectivement, ils ont la 4 juin. Et puis, dans la ligne, il n'y a pas de recommandation. Il y a la question orale de la personne. On a les liens honnêtes. Je ne sais pas, et là on va mettre dans la poche, et dans le bureau, que ça va bien. Parce que là, on va y avoir, ton nez est là. Qu'est-ce que ça va bien? Oui, gouverneur. Ah, mais quand on fait une raison ici, pour dire aux députés, bah, ils vont bloquer parce qu'il y a une question. Non, non, non. Puis surtout, il y a un président. Donc, moi, il faut fouiller un président. Ok, donc ça, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison. Honorable président. Honorable député, chers collègues, président, il y a des tendances qui sont soulevées dans la salle. L'auteur de la question, ainsi que la motion de l'honorable Benjamin. J'aimerais qu'on aille plus ou moins une heure du temps en train d'appliquer l'article 31 du règlement intérieur à l'alinéa 14 pour que nous puissions évoluer. Président, il y a une idée, des fois, vous avez pour satisfaire partout, mais sans le mal au que ça finit par le passage. Il y a un dossier pour évoquer, article 9, disposition et article 9. Autant que si vous avez une solution, alors il n'y a pas de problème. On a dit les sous-sols, les années conclusion, les années conclusion, conclusion partielle, la conclusion. Ou bien, tu vas le faire de tout bas, la du bas, ou bien tu vas clôturer. Parce que nous avons avoué, ils allaient pratique normale, universelle, voire même spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais, jamais l'unanimité à ça. Donc, il va tout bas à la satisfaire, il va tout bas à la satisfaire. Puisque va tout bas à satisfaire, pas à va tout bas à insatisfaire, pas à mais bateau, on va vous dire quelle conclusion dans la recommandation à l'honorable Mike et c'est bien ici par vous. Mais pour voir la première, pas corrigité. Alors, pourquoi vous la naval à Sima? Il dira c'est moi. Non, en tout cas, on a été passé dans l'hôtel de la beauté. Hôtel dans les appareils, la première décision de devenir carré ou bien la première. Alors, ça ne sert à rien, président. Gagnons le temps parce que dans les climats d'ordre, il y a beaucoup de matières déjà prévues. Vous voyez bien, ok, il y a beaucoup de baraquettes. 10 000 balles pour organiser le plénière. Vous préparez déjà qu'à 8 000 balles, pourquoi vous venez sur le 5 jours? Il y a un concert en fait là. Donc, sur le 1000 euros, tu vois. Si malheureux, tu vois, tu as une bonne idée. Aussi, pour le libérer, tu comprends. Ceux qui vont tout à se sentir lésés et qui vont les mettre à la bonne côté, montrent un trou à quoi qu'un euro comme ça, à saliver et à les mettre. Comment ça va être fondé pour la carte à savoir de l'hôpital pour venir avec les amis? Nous avons à participer. La commission de sous-sous, le gars est au bout de la salle avec le président du monde.
Et puis, même la décoration m'explique parce qu'à un certain moment, j'étais en train de dormir là-bas. Mais on a rêvé. Et là, on a rêvé, mon son, je vais dire, j'adore la zambo. Mais on a rêvé, déjà, sur la question de la guerre, sauf qu'il m'a. Je vais la guerre à passer la guitare, le président. Président! Parce que j'estime quand même que non,
en tant que députés, nous sommes assez aptes à faire ce contrôle-là. Mon honorable président, je voudrais rappeler ici que nous emmenons encore dans une commission. Nous avons déjà été en commission au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur le FONAC. L'honorable Limoila était président de cette commission et moi j'étais rapporteur dans cette commission. Nous avons un rapport de cette taille, l'honorable président. Je crois que c'est un rapport de plus de 500 pages. Donc, commission, il y a déjà une commission, président. Dans cette commission-là, nous avons annexé tous les détails qu'il fallait au sujet du FONAC. Au jour d'aujourd'hui, comme l'auteur de la question orale ne veut pas transformer sa question orale en une interpellation, alors que, en fait, lui-même, il s'est tellement contredit, honorable président, que nous, à ce stade, et moi ayant eu à travailler dans cette commission, je suis désolée. Nous demander de mettre encore une commission sur place, honorable président, ça sera de la distraction. Si vous voulez, nous pouvons encore faire des copies de la commission qui avait été mise en place, nous distribuons même à tous les collègues. Commission, il y a déjà eu, honorable président. À ce stade, si vraiment on se prend au sérieux, puisque nous parlons ici de l'assainissement de la ville de Kinshasa, on devrait passer à une interpellation. Et je sais que normalement, notre règlement intérieur dit que c'est l'auteur de la question orale qui peut transformer sa question en une interpellation, mais on aura le président, la plénière est souveraine, nous ne sommes pas convaincus que l'honorable lui-même, il a dénoncé tellement de choses, et la plupart des choses qu'il a dénoncées, nous, au niveau de la commission, nous étions déjà au courant de tous ces problèmes ici. Donc nous avons apprécié sa démarche. Mais après, tant que nous avons apporté à commis pour le renforcement des leaderships de taille de l'Union, il y a un problème. Alors, comme il y a un problème, honorable président, moi, je ne peux que conclure en disant que la plénière est souveraine. Il y a possibilité, quand lui-même dit que non, il y a mal gouvernance, il y a possibilité que nous puissions interpeller l'ODG du FONAC et que nous puissions aller dans une autre procédure. Nous distraire avec la mise en place d'une commission, bien dit chef, je l'ai aligné d'avoir présidé sa distraction. Alors, il ne faut pas que nous puissions nous laisser distraire. Nous pouvons aller sur une interpellation du roi. Si nous y allons, avec la formule que c'est la plénière qui s'ouvrirait. Merci. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord que qui paye le plus paye le moins. Je reconnais la souveraineté de la plénière, mais on doit laisser les gens parler et argumenter. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous référer à ces vieux rapports. Il est vieux depuis une année. L'évaluation des politiques publiques est dynamique. Donc il n'y a pas de distraction à cela. Mais je respecte les pouvoirs de la plénière. On va revenir à la plénière, honorable Lisa, vous avez raison. Mais je voulais juste faire voir que, entre les temps qui s'est écoulé depuis qu'on a déposé ce rapport, il y a des choses qui ont été faites. Donc ce n'était pas une imposition. Nous tous nous allons nous incliner devant la décision de la plénière. Honorable Nambo. Merci, honorable président. Honorable Nambo, chers collègues. Ça fait maintenant troisième fois toujours bien que ça, DG à FONAC. Toujours bien que ça, DG à FONAC, OEA, devant Bisso, va député. Mais tout cela est par recommandation. Sur ces recommandations, opposition de l'Angela Bisso qui Bisso ensemble, on a dit que non, tout que les gens pour vérifier réellement. La recommandation de Bisso, tout cela qui sauve DG à FONAC à respecter et à voter. On a dit, on dirait qu'il y aura quand même des choses où il y a une exception à preuve, il y a des détournements, ou bien mini, mais une modalité. Mais on a eu souci dans la monnaie que, sauf que tout le monde la commission, et pour permettre que tout le monde soit là, il y a une salaire pour tout ça, par recommandation. Sur le cas besoin d'interpellation, je crois que c'est toujours bien le monde, mais tout le monde est là, il y a une salaire. Pour vous permettre de se retrouver. Mais en gros, le même endroit, à ce qui concerne le premier geste,
n'a pas d'accord dans l'autre. Pour bien la route, ce que vous savez, la route permet de se soutenir dans le camp. Mais je pense que c'est ce que vous aimez. Pour que vous ne vous vérifiez pas. Il y a un président, la première à mon idée, sauf qu'il commissionne, parce que la commission, il faut que vous pour prendre l'état là. Est-ce que réellement, deux chefs ont a assali la recommandation à la salle ou bien pour la salle pété. On a un peu cela que vous pouvez bannir de vos poussards. Et là, comme nous sommes dans le roi, tout le monde avait pensé à ma paix. Puis c'est là la talatie de la paix. On dirait que dans ma recommandation, nous avons un cambouis à somme. Ce sont les mêmes choses pour bannir la barbaki. Donc, ce que j'ai dit, c'est que les paramètres sont là, on est tombé pour bannir la salaki. Pour les salaires, il y a un peu de temps pour la recommandation. Et puis peut-être que le total a un problème sur le problème de la carte à payer la mission. Pour prétendre que la vie de la vie de payer par les troublements, tout le temps qu'il y a COVID, la carte à payer, pour permettre la mission de l'autre, l'institution ne sera pas s'arrêter. Même la ville, même là. Mais nous avons la vie professionnelle, l'environnement et le développement durable. Mais nous avons remercié. Bangomba ya fulu et si l'inga qui chassa et l'inga ma casse. Donc, c'est le conseil. Vas-y, il y a des gens qui parlent de méchanceté, veulent saboter les efforts que nous déployons. Depuis que nous sommes au pouvoir, il n'y a plus les montagnes de déchets administratifs qu'on parle de nous. Ça, c'est factuel, tout le monde peut le constater. Nous l'hôpital est ici, mais nous avons un homme et Katalamou. Ça, on doit le dire et le dire sur les toits pour que tout le monde comprenne. La ville est mieux éclairé qu'avant. Ça, c'est à notre appui. Nous sommes en train de réunir le sud au nord de la ville de Kinshasa via Elengesa. Une route qui n'avait jamais été construite. Nous sommes en train de réunir l'ouest à l'est via Kikwiti. Nous sommes dans la balle. Après la conclusion de l'objet de la question orale, vient l'adoption. Mais je me rends compte qu'il y a des tendances dans la salle. Il y a la première tendance qui est satisfaite des recommandations, mais il y a la deuxième tendance qui est insatisfaite. Et cette tendance-là propose l'interférence. Je voudrais maintenant que nous puissions trancher. Est-ce que nous pouvons adopter les recommandations en les amendant? Ou bien il y en a qui pensent qu'il faut qu'on fasse maintenant l'interférence? Et quand on aura levé cette option-là, on va expliquer comment ça va se passer. Non, non, plaisant, monsieur. Je mentionne plaisant. Le président de l'Israël a rectifié. Ça veut dire quoi, président? Permettez-moi une attribution dans le rôle. La plénière va demander l'intervention. Donc, attendez, s'il vous plaît, maman. La majorité de passer dans le règlement, le seul auteur, puisque l'auteur déjà a l'obligé à intervenir, à y être. Président Boussana déjà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, président Boussana, parti là, pour que tout soit cohérent. Or, on a déjà la plénière, mais vous l'obéir, soit ceux qui sont pour, doit adopter la conclusion et la maille, ou bien ceux qui sont contre. Maintenant, ceux qui sont pour, ceux qui vont avoir une majorité, doivent adopter. Ceux qui vont être contre, parce que la carte est contre, on voit déjà l'amendement, on voit déjà vraiment tout ce qui est à la première. Mais
Maintenant, ce qu'ils ont rejeté, c'est comme ça que Peigné a coupé sa formule avec aucun autre. Ce qui est en train pour Michel, ce qui est en train. Là, je crois qu'il est trop passé. Parce que ce qui est en amendement, là, je crois que ça est en train parce qu'on peut amender sur la forme et sur le fond. Tu vois, voilà pour en tout cas passer. Mais ce qui est en train de faire, il va interpeller et regarder parce que l'auteur est déjà refusé. Moi, je crois qu'il peut parler de ceci. Maintenant, on va aller contre la confusion, on va aller épeler. Donc, on a payé les gens sur qu'on rejette. Donc, on va rejeter à vous. On propose maintenant une formule pour sous aucun problème parce que quelqu'un a une condition ou bien une. Là, c'est maintenant pour soutenir parce que l'auteur a déjà refusé. Donc, au gros formulaire, on a sans soi-là des propos et à tout. Merci, président. Merci beaucoup. Collègue Ruffin, après, ça sert de bon exemple. Donc, nous disons la même chose. Parce que si le rejette ses recommandations, à ce moment-là, il n'est pas lié comme il a dit. Il ne sera pas responsable de la suite. Mais ils vont indiquer une voie maintenant à suivre. Donc, on va se rapprocher. Très bien. Très bien. Maintenant. Il n'y a pas eu des amendements jusqu'à là. Mais on doit aller recommandation par recommandation. On adopte même avec amendement. Mais il y a une autre tendance qui dit que nous nous rejetons. Parce que nous pensons que le travail n'a pas été bien fait, on propose autre chose. Est-ce que c'est ça que les parents qu'il y a dans la salle? Oui. Voilà. Comment lui qui n'a pas fait le droit de comprendre en lire le pour l'adoption des recommandations, même moyennant certains amendements. 1, 2, 3, 4. Qui sont pour le rejet? C'est clair? Les recommandations sont rejetées. Faut pas venir. Et nous devons savoir qui se charge de cette option-là. Oui, le rabbi. Je dis sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vraiment un outrage à l'Assemblée, s'il vous plaît. Je suis désolé. Hein. Vous pouvez partir. Non. Voilà. Je ne sais pas faire venir l'auteur de la motion parce que lui-même il n'est pas là. Non, l'auteur il n'était pas venu parce que le ministre n'est pas là. On va perdre notre temps pour quelle raison? La lettre a été déposée aujourd'hui, mon titre de voyage. Alors, je ne cherche pas à influencer la plénière, mais nous avons besoin de deux pour et de deux contre. Comme il n'a pas daigné répondre, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui sont pour la recommandation proposant sa démission dans 24 heures, ils vont argumenter. Et ceux qui sont contre, qui pensent qu'il peut ne pas répondre à l'Assemblée, ils vont aussi argumenter. À ce moment-là, nous allons soumettre la question. Nous voulons d'abord commencer. Ah, honorable Rochon. Plénière de ce lundi 7 juin 2021, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à Kinshasa Boumé. Honorable président, je viens respectueusement, auprès de votre autorité, solliciter le report de la plénière de ce lundi 7 juin 2021, plénière au cours de laquelle je suis invité à présenter mes moyens de défense au regard de la notification de la motion de défiance dont je fais l'objet. En effet, depuis la date du 6 mai 2021, je suis bénéficiaire d'un ordre de mission de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa et de l'invitation d'une firme allemande avec qui nous avons signé un contrat afin de finaliser le projet de construction des logements sociaux au profit de la population kinoise que je conduis la délégation de la ville de Kinshasa en République fédérale allemande. Cependant, après plusieurs reports dus à la délivrance du visa par l'ambassade précitée, le voyage est finalement prévu pour ce lundi 7 juin 2021 à 9h.
vu l'importance que revêt ce déplacement, je tiens à vous informer, honorable président, que tous les frais de voyage, billets d'avion, frais de séjour sont pris en charge par notre partenaire allemand. Loin de moi l'idée de bafouer l'autorité de l'Assemblée provinciale, dont je suis pleinement redevable, mais c'est pour l'intérêt de la population de bénéficier de ce grand projet et du fait de la signature apposée sur le contrat. Je me vois dans l'obligation de solliciter votre indulgence pour reporter la plénière de ce lundi 7 juin 2021. Honorable Président, vous trouverez, si ces annexes, les documents y iront à ce voyage. Toutefois, je prends l'engagement ferme de venir m'acquitter de cette obligation démocratique dès mon retour qui est prévu le 18 juin 2021. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mon profond respect, Sam Leka, ministre provincial de l'Intérieur. Merci. Le ministre est saisi depuis vendredi. Je ne voudrais pas qu'on me pousse à lire tout ce que je sais de cette lettre. Je suis un peu homme d'État, je ne vais pas tout lire. J'ai été contacté par plusieurs personnes pour que cette motion ne passe pas. Et avant, il m'avait dit qu'il avait dit qu'il devait voyager le samedi. Ça change à tout moment. Et c'est à 10h, l'heure à laquelle la plénière devait commencer, et les gens viennent déposer la lettre, allez-y comprendre quelque chose. Nous sommes les premiers organes de l'Assemblée. Si vous voulez que nous soyons respectés, nous devons nous mettre dans les conditions de respectabilité. J'en sais un peu plus, je suis astreint à un droit de réserve. J'ai parlé personnellement avec le ministre au téléphone. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, les avions... Avant, il avait dit qu'il devait partir les week-ends. Ce n'est plus les week-ends, c'est aujourd'hui. Ça change à tout moment. De toute manière, je ne vais pas influencer votre position. Mais vous devez savoir que quand il n'y a pas de sanctions, vous ne serez jamais respecté. Et s'il y a quelqu'un qui doit protéger ses ministres, c'est d'abord moi. Mais ici, nous sommes en train de parler des affaires de l'État. Les questions de l'État se traitent sans état d'âme. Je vous ai présenté les faits. Je m'abstiens d'entrer dans les détails parce que nos plénières sont quand même radio-télévisées. Moi, j'ai présenté les faits, donc j'attends les deux pour les mettre en place. Ils ne vont pas organiser les votes de manière brutale. Nous faisons une recommandation et on va transmettre à sa hiérarchie pour qu'il dépose sa démission. Mais il y a une autre tendance qui dit que nous pouvons l'attendre. Alors là, la balle est dans le camp de la plénière. Est-ce que maintenant je peux soumettre la question au roi? L'auteur de la déchéance, de la motion de déchéance, la personne que nous avons invitée, le ministre de l'Intérieur, n'est pas dans la salle. Et pour le moment là, pour nous, nous avons constaté qu'il y a outrage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors comme il y a outrage, ce n'est pas à l'auteur de la motion ou bien au porte-parole de la motion de nous faire la recommandation. Sinon, c'est à la plénière de pouvoir se décider sur l'outrage. Merci. Je crois que le président de la PAG a parlé. Ce qu'il faut noter qu'au stade actuel, même pour ceux des collègues qui demandent les documents, donc nous n'allons pas traiter de ça aujourd'hui. Et si ça n'a pas été distribué, c'est parce que les ministres avaient déjà dit qu'ils ne viendront pas. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez en faire, on va vous les donner quand même. On va vous donner ces documents-là. Mais ça n'a rien à voir avec la question que nous traitons. C'est pourquoi le PRG est en train de dire que maintenant, là, nous ne sommes plus dans la motion.
comprenez, c'était cela, donc c'est pas bon. Mais nous allons respecter la décision de la plénière. Vous pouvez continuer à l'écrire, là. Honorable président, c'est une recommandation que j'ai fait à la lecture. Mais référant aux dispositions de notre règlement d'ordre intérieur, spécialement à son article 213, et ayant constaté le refus de M. le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, de répondre à l'invitation lui est lancée afin de présenter ses moyens de défense sur la motion de défiance lui adressée. J'ai formulé la recommandation suivante. Puisque M. le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières a opté pour la voie de l'outrage à notre institution parlementaire, que l'Assemblée plénière vote unanimement pour sa déchéance. Aussi, que ce dernier dépose sa démission auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, avec copie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans les 24 heures qui suivent. J'ai dit. La recommandation faite par l'auteur de la motion de défiance, c'est des collègues qui ont des observations. Ils peuvent le faire. Si il n'y a pas d'observation, nous allons soumettre la question au vote. Je pose la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons adopter cette recommandation. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. La recommandation est adoptée. Honorables députés, chers collègues, mais il y a un problème technique. C'est que, après l'adoption de la recommandation, nous devons également adopter. Yami Balé, il y a gouverneur. Balobi Nangate, côté ça, il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur. Yami Balé, il y a un gouverneur. Il y a un yango wana esengele kosisa likambo afonaka lelo na ndenge basilisi yango wana ba rejeter ba conclusion po na ngai basai malamu po oya gouverneur Ngobila to banda yango po ebimaki lokwa te oya fonak ekangi oya ya gouverneur po na ngai komaki te toke na mbangu po oya makasi ko deke yali ya gouverneur po etali kisasa mobimba. Je me résume en français. J'ai présenté deux questions orales avec débat. Une question orale au DG du FONAC et une autre orale avec débat, adressée, une seconde adressée au gouverneur. Le bureau m'a dit ceci, que les deux questions ne pouvaient pas être traitées à la fois, qu'il fallait d'abord vider la première question. C'est pourquoi c'était pour moi important qu'aujourd'hui on en termine avec la question du FONAC. Et maintenant nous passons à la deuxième question, celle qui est plus importante, qui comprend la politique générale de la ville de Kinshasa et la personne qui doit répondre à cette politique générale, s'appelle Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Naobi na yo te nagi na mnga nagi na posa ba longola mon bango loko wala. Po ekoma yango loko ekomi libaku ezokanga o ya gouverneur ya te. Mikolo ko kenda sosio ko sila. Loko abango ba bwaki yango nga bi etali nga ite ezali ngambote sika tokota na o ya gouverneur ya ville de Kinshasa. Lokani Ma Mission TV, le miroir du monde.